Ok. Pierre Cole. Ça casse bien hein, ça, ce coup-là. Il avait plus de flèche. Oh putain! Ah génial, il a fait son esquive comme un gros connard. Ah oh, bah super, il a pris tout. Ok. Bon, j'ai la technique maintenant. C'est mon speedrun du jeu, le speedrun restart checkpoint. Start, triangle, croix-croix. Call the Hortolans. Voilà. Mais il a jamais récupéré son arme, je le déteste, c'est vraiment le roi des cons. Hop, hop. Ok. Donc si ça, ça devient notre esquive BNB, il y a moyen de s'en sortir, je vous le jure. Okay. Attention. Non, putain, mais j'oublie ça, j'oublie tout le temps ça, le pire truc ever du jeu de merde. Et ouais, bah j'étais en train de changer d'arme, mon fils. Attention. Hop. Le plaisir des choses simples contre force. Oh putain. 1 2 3. Pas changer d'arme tant pis. J'ai pu mettre le slowdown. Oh le con. Oh c'est douloureux. Et fallait pas esquiver. Connerie. J'ai pas vraiment le gros dégât de l'attaque. Attention, ah. Elle m'a fait le dash. Oh la moule magique, j'ai eu la superbe esquive de ses morts. J'ai esquivé à gauche hein. Deux. Ok. Oh non, mais putain, elle peut faire ça aussi. Mais le jeu. Mais merde, mais quel jeu de meurtre, quel jeu de meurtre. Eh bien super, mais ça. Oui, parce que... jeu de merde.
Il faut un mixage. Connerie de merde de mon. Je le déteste. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait nous dis donc? Ah. C'est le try. Salut YouTube. Dans le cadre de mon guide 100% de God of War en difficile, voilà comment on bat la dernière Valkyrie. Tellement de grid pour un seul homme. On est tellement de la merde en barquette surtout. D'accord. Non, mauvais ordre. Enfin. C'est un beau combo ça en vrai. T'as une fiche quand même hein. Elle d'ailleurs. Enfin, les loups en l'occurrence. Attentif, attentif. Ouais. Hop. Mais non, mais j'ai appuyé sur la parade. Jeu de mort, de merde, de mort. Merci. Ah, c'était worse de profiter de la rage des titans pour prendre la vie. J'avais même pas envie d'utiliser. Évidemment, trop loin. Ouf. Non, putain, mais je... Pire truc, putain, mais pire truc. Je rage pas du tout. Hop. Hop. Ça, tu l'esquives. Putain, mais merde.
putain. Tout ça parce que je me suis focus sur les loups. Ah. Okay, bon. Putain, mais derrière, t'es connasse. Défocus là, connard. Ah, bah, ça sert à rien. Ah, super, super. C'était vraiment sympa de vouloir chercher la vie. Comme souvent, d'ailleurs. Il y a un pattern de ce côté-là. Okay. Hop, hop. Ça a marché. Okay. Okay, je suis un peu envoyé, obligé d'envoyer la sauce pour regagner un peu. Au moins, ça sera pas gâché. J'ai plus rien. Oh! Ok. Ok. Hop, hop. Oh merde! Ok. Hop, c'est bon. Vite. Vite. Elle est où? Hop. Deux. Trois. Non, allez. Oh là là, putain, je suis pas mort. C'est ça, c'est miraculeux. Trop tôt. Mais où est-ce? Oh là là. Vite. Oh merde, je croyais que j'avais... Oh là là. Non. Oh non, j'ai appuyé, je te le jure, putain, jeu de merde. De jeu de merde. Sérieusement. Bah super, super. Le L1 triangle qui touche rien, elle se barre. Mais what the fuck quoi. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi le L1 triangle n'est pas passé alors que j'avais esquivé et qu'elle était au corps à corps et que ça chope tout. Très bien. Oh.
dégueulasse quoi. D'accord. J'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas. Ce qu'elle allait faire le bouclier, mais ça casse normalement. C'est ouf. Bref. On y est fait. D'accord, j'adore quand ça marche. J'ai fait le pas de côté, mais j'ai pas validé esquive, alors que ça, justement, c'est plus rapide et il faut valider esquive plus vite. Putain, deux fois qu'on échoue à 5% de vie, mais là, pour le coup, c'est même pas un choke, j'ai même pas compris ce qui s'est passé, quoi. C'est ça pour débloquer un truc, ça sert à rien, on n'est pas là pour débloquer un truc, on est là pour lui casser la gueule, bordel. Genre, merci. Voilà, là ça marche. Bah oui ça marche. Évidemment. Connerie de jeu de merde. Très bien. Énervé, hein. On pourrait croire que je suis énervé, mais hein, pas du tout. Hein. Alors évidemment qu'on pourrait revenir avec du gros stuff, mais là j'ai fini la battre deux fois, donc je vais la battre et puis merde. Bonsoir. Évidemment, je couperai hein, pour dire que je l'ai battu du premier coup. Faut pas que j'oublie. Hein. Si je la bats, faut que je m'exclave. Oh mon dieu, du premier coup. Quel génie. Ah putain, je croyais que c'était l'autre truc. Putain, mais non, j'ai fait la roulade. À... Voilà, la roulade aussi. Putain. Elle était stun tellement longtemps là. D'accord. Vite. Il y a un décalage sur ce coup là, non mais c'est tellement de la vie en bois. Le jeu a fumé du mauvais shit 100%. Il n'en fallait pas. Super. Super. Voilà, en vrai j'aurais pu continuer le combat. Na ni na ni na ni na. Cyril Hanouna. Comment j'avais fait finalement? Ah oui, c'était mieux. L'ouverture, casser la gueule. Pendant que je casse la gueule avec L1 carré, into the ortholand. Into ça. Into please. Elle est trop loin, je me fais baiser, je vais à la cour. Je prends des flèches. Ah
bien. Pas l'impression de me faire baiser en mots. Grâce Rune. Là, elle a dashé. Ah oui, elle a dashé vers la gauche, c'est obvious. Ok. Connasse. Sérieux ? Bien joué. Oh là là, le jeu qui me baise, parce que si t'appuies sur le D-pad vers le bas, t'es baisé, et j'appuie vers la gauche pour avoir... L'âme du chaos. Ah, et du coup là je suis surpassé sur la hache parce que ce connard de merde. Ok. Je reste calme, hein, je reste calme. Je vois rien. C'est pour ça que je t'ai demandé les hyertolances. Hop, hop. Reprends. Reprends ta hache. Stop. Paré. 1, 2, 3, balance ta sauce. T'as le temps là. Oh, jeu de merde. J'ai tout perdu. Ma femme, mon boss, mon job. Ok. 2. 1, je vais me faire baiser, j'arrête. Ah non, j'avais le temps pour une, tant pis. Délai, j'ai pas mis le délai, c'était l'attaque à délai. Oh, comment ça peut tourner au vinaigre à rien? Putain, mais c'est incroyable. Oh là là, je suis dans la merde à nouveau, j'adore ma vie, je vais encore me faire péter le cul. Target-le, fais quelque chose de ta vie.
Oh, chut, j'avais plus de rage déjà. Ah non, non, mais voilà, voilà. Merci Goblichou et White Mat 7 pour le prime. J'ai cancel la rage, j'ai cancel la rage. J'ai stoppé la rage, mais à quel moment j'aurais... Ah, quand j'ai essayé de cancel, j'ai dû appuyer sur les deux sticks. Merci de changer. Merci. Putain, merde. Connard de jeu de mort. Hein. D'accord. Mais genre comme ça, gratos! Qu'est-ce que je fais? La merde. Pourquoi je suis pas passé sur les rages? Les lames. Vite! Fais attention maintenant! Stop! Aïe aïe aïe! Okay. Non! Aïe 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 aïe, ça va faire mal! Oh, ça a stoppé! Oh, le miracle! Miracle hit! Oh putain! Hein? C'est pas grave, prends ton temps. Change. Vite. Attention. Maintenant. Oh! Pourquoi j'ai repassé au... Jamais demandé à repasser à l'âge. Putain, mais je ne meurs. Je vois rien. Je vois rien. Je vois rien. Pourquoi la caméra elle follow pas un minimum? Hein? Je te sais meurs. Voilà, être déjà là-dessus à mi-barre, ça pue la merde. Ok. Oh oui, c'est bon. La suite c'est 1, 2, connasse, connasse, mais... Des règles qui changent tout le temps, et voilà, et là je suis obligé de faire ça finalement. Et il est au point, mais pourquoi, qui t'a demandé d'être au point, mais fils de ta mère. Et... Dash gauche par... Oui, je sais, mais on est parti sur l'idée de faire un grand dash, un grand pas sur le côté, esquive vers la droite, parce que si on le fait bien, ça marche tout le temps. Et vu que des fois, les règles changent sur son dash de ses morts... Dash à gauche par...
J'ai gagné. À gauche, ok. Fraîcheur, fraîcheur. Beaucoup de fraîcheur. Lâche à droite. Oh quel con, elle dash à gauche. Lis le truc. Lis le truc. Dash à droite. Et je suis bloqué par mon sexe. Mon sexe. Qu'est-ce que je fais? De la merde. J'ai perdu 90% de barre sur un pas de côté. Vous aimez ma vie? Non! Ah oui, d'accord. Là, elle a pas dashé tout droit. Enfin, elle a pas dashé à droite et elle m'a fait du coup cette attaque de zone. Et ça, c'est pas vrai tout le temps non plus. Parce que ce jeu, c'est de la. Oh non, mais super, super. Ah, j'ai oublié d'utiliser ma rage. C'est vrai qu'elle est nulle, hein, cette. C'est vrai que c'est de la merde. Hein. Cette petite pierre de résurrection. Mais c'est pour ça qu'on aime le challenge. Putain, mais trois fois, j'aurais dû la battre, quoi. Sympa de voir des trucs. Voilà. Change d'arme maintenant. Tiens-toi prêt. Ok. Bien armé. Bien fait, mec. Non, reprends. 1, 2, 3. Elle a dashé vers la droite. Sauf que ce jeu n'a aucun sens parce que c'est de la merde. Reste calme. Vite. Non. Ok. Pars. Tant pis. On va essayer de faire. On range le double combo à la prochaine. Putain, c'est celui qui est décalé. Ok. Oh putain, j'ai cru que j'avais le temps, mais je me suis cru au Club Med, connard.
perdu d'un coup, tout perdu. Elle a dashé à droite et je me suis pas réveillé. Pour moi, c'était un dash tout droit. Je m'attendais à l'esquive d'attaque de zone. Je suis vraiment le roi des connards. On s'appelle le roi des connards dans le milieu. Enfin, les petits. Hein. Papa, il a besoin d'aide. Papa, ouais, papa, il est mort. De chance que je la gagne celle-là. Okay. Je me suis... Oh, fou. Je me suis fait caca dessus. Changement d'arme. Vous avez vu ce changement d'arme? Comme il est judicieux. Vous aimez la merde en barquette? Ça lui fait du dégât de... C'est marrant d'activer les... Oh là là, ta mère la chauve. Et là... Faut que je tienne jusqu'à mon slowdown. Merci. Et des fois elle fait des bacs, des bacs dash, c'est pas évident qu'elle dash à droite. Ça parce qu'elle m'a pas filé le bon truc. Qu'est-ce que je fais?
Mais bien sûr, et là elle a dashé vers la droite peut-être. Je merde. Gendarme. En faisant une rage des titans, j'ai tout perdu. Non, non, vous inquiétez pas. Je ne peux pas perdre. Je ne peux pas perdre. Ça serait ridicule. Les autres me se moqueraient de moi si je perdais, vous voyez. Et parce que les autres se moquent de moi après un combat parfait, en crevant comme un caca, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. C'est fou! First try! Quel talent! Thank you, friends. You have saved the Valkyries. Sigrun, how did this happen? Mimir, is that you? You have been freed, but... Freedom comes at a price, milady. You speak truly. Countless winters we serve the Allfather. But only through his union to the Queen did we ever taste some measure of freedom. But aren't you the Queen? There has only been one Queen of the Valkyries, the goddess Freya. When Odin severed her wings, I served in her absence, but it wasn't enough for the Allfather. He used an archaic piece of magic, corrupting my sisters. I tried to contain the damage by imprisoning them in places where they could cause no harm, but... soon, I lost myself as well. Sigrun, I'm sorry for being so worthless. I could have done something, or tried at the very least. What will you do now? I must reunite with my sisters. Together, we can restore balance to the realms. You have the eternal blessings of the Valkyries. Je me la mets dans le fion. Well, we did it, I suppose. You don't sound very happy about it. It's difficult to be happy about anything when you're a reanimated head. I'm grateful we were able to set the Valkyries free. But so much of this could have been avoided, if only... You said it yourself, Head. It does not matter anymore. The past is the past. Well,
That's awfully cheerful coming from you. I am in a good mood. The dwarves will make use of this helm. Your dad's a wee bit single-minded, isn't he, lad? Definitely. Ah! Sympathique. Putain de jeune mort. Et mon le dernier home là, elle m'a filé. On le garde. C'est notre porte-bonheur. Visiblement. Bon ben voilà. Voilà, c'est fait, putain. Et c'est con, hein, le dernier combat là, il était, enfin le premier combat du coup, il était quasiment parfait. Et vous avez vu, hein, c'est en me disant, écoute, t'as plein de rage des titans, donc utilise, ça va être trop cool. J'utilise, et au moment où ça s'arrête, j'essaie de changer d'arme, et je me prends 3 baffes, et je suis à 5% de barre, et je meurs. Ça a failli être ridicule encore, alors que 90% du combat était quasi parfait. J'ai pas écouté encore. Non, ouais, j'ai pas écouté. Là, j'écoute plus rien. On va voir le forgeron pour le haut. Très bien. Terminons là-dessus. Alors. C'est bizarre. Il est dans des tartrés. Alors. Putain, dans mes souvenirs, le détartrage était moins désagréable que ça, hein, d'ailleurs. Saloperie, hein. La mère des Valkyries est superbe, ouais bah ouais. Et puis elle a l'air bien meilleure que la mienne, même si la mienne est folle. Freya is the Valkyrie Queen? Oui. She never told us. You oui. never told us. Explain yourself, Head. Or are you bewitched again? Not at all. Freya was Queen of the Valkyries at one point. Part of her marriage dowry included overseeing the Valkyries themselves. As a powerful Vanir goddess, they revered her. I never knew how much until now. What's got you all bum-fuzzled over there? Get going! Attends, mais qu'est-ce que... Comment savoir le forgeron, d'ailleurs? Objet perdu. L'armure de vagabond. C'est... Ah d'accord, ça c'est gratuit. Merci. Mais c'est sur quoi que je fais ça? On n'a pas de casque. C'était juste un passif. Vous m'avez dit de la merde en barquette. Moving on then. Ah bon, on propose même plus le dialogue. Rien à foutre quoi. Ah si. So how was your trip to Jotunheim? Will you give them a little privacy? The kid just found out he's a giant. He doesn't need you interrogating him. Bruh! You knew? Oh, we knew Faye was the last guardian of the Jotnar left in Midgard. That's why we made her the axe. We hoped it could restore the balance of power. After Thor went all berserk with our hammer. Though in the end it seems we'll vendre, ouais, c'est ça. She chose another path. She chose, well, you. Both of you. I suppose she figured ah, that non, was Vanda, the best chance pas encore farmé to live à Muspelheim. And now, I suppose, that's up to you. How about that? A young Jotun with us the whole time. And the son of Laufey, the just I should have seen it before. What's it gonna be this time? Hein? Décomposer le fléau Az, c'est quoi ça? J'ai eu ça, l'ultime création du Valdi, une concentration de brume capable d'empoisonner les dieux Az. Et tout autre être vivant permet d'améliorer des pièces d'armure, des pommeaux et des talismans en leur insufflant le pouvoir de la brume maudite. Ah mais je veux pas le vendre ça, même si j'ai des échos de brume. Mais non, ça c'est de la connerie. La connerie! Ça oui.
Ah, le home de Sigrun. Ah, c'est juste pour 100 000 balles? C'est presque une insulte. Moi, je le garde. Et là il manque des échos de brume et des étoffes de brume. Braise ardente c'est bon. Ouais faut. Ah non il faut farmer Muspelheim de ses morts et Nilfheim de ses morts. Mais quel intérêt vu que j'ai plus personne à battre. Ça avait de l'intérêt si j'avais galéré contre les Valkyries, mais vu qu'on a first try la dernière. Now there's something else. Pour le DLC non annoncé. Alors c'est vrai que sur la carte des mondes, on voit Asgard. Mais sur 100%, il n'y a pas de Asgard dans le jeu. Donc, moi je me demande s'il y aura vraiment... Je sais pas s'ils vont faire un DLC en vrai. C'est pas trop l'habitude de la maison, mais pourquoi pas. Hein. Ils ont prévu 6 jeux, alors est-ce que ça va être des vrais jeux ou ça va être comme Destiny 2? À chaque fois il va falloir banquer dans le DLC. C'est comme les derniers skis sur Mirror, si tu atteins 1000 de force, oui ça. Ouais, New Game Plus, mais bon, New Game Plus, à tartiner le jeu, bon, super. Non, le vrai intérêt, ça serait de refaire le jeu en God of War. Merde. Le directeur a confirmé 0 DLC, c'est ça. Donc oui, là, en gros, c'est juste en tease, en mode « Ah ah, regarde, il y a Asgard, lol !» Et on ira dans God of War Reboot, 4e épisode. Bref. Commence maintenant God of War. Eh bien écoute, touche à ton cul et sens ton doigt, deux fois. Merci Naikora pour le prime. Au revoir YouTube, des bisous.